de retour du coup pour la suite de cette LEC 3ème match. Un assez beau match d'ailleurs qui va se produire sous nos yeux. Vitality contre Origen. Oui, oui, avec des Origen normalement favoris. Vitality, comme à chaque match en ce moment, c'est sûr qu'on a vu du mieux récemment, mais on se demande si on aura une vraie confirmation et peut-être une série positive vraiment qui s'engage avec plusieurs matchs gagnés d'affilée pour Vitality. Rien n'est moins sûr, ça ne va pas être évident contre une équipe Origen qui se reprend en main là, qui a eu du moins bien la semaine dernière et qui a quand même gagné hier. On a beaucoup de joueurs d'expérience du côté d'Origen. Oui. On s'attend quand même à ce que l'équipe finisse dans le top 4, Tech. Normalement, effectivement, c'est les grosses attentes sur Origen. Du côté Vitality, bien évidemment, on attend surtout la remise en forme de très gros joueurs, puisque finalement, ils ont d'excellents laners, les Vitality. Et c'est aussi ça qu'on a envie de voir briller d'une certaine manière. Du côté Misfits, on a montré qu'un gros laner était capable d'aller porter son équipe jusqu'au bout. Incroyable. Je pense à Adam en particulier. Donc pourquoi pas aussi faire la même chose du côté de Kabochard, du côté de Dijuke. C'est deux joueurs qui sont vraiment capables de créer des gros plays. Et moi, personnellement, c'est vraiment ça que je vais attendre de la part des Vitality. Ouais. Alors, on vous rappelle, Vitality, 3 victoires, 6 défaites. Actuellement, les Origen sont à 5-4. Origen qui vise le haut du tableau, encore une fois, mais actuellement qui est bloqué en 4e position du LEC. Et bon, on s'attend à ce que ça monte. Peut-être, du côté d'Origen, ils sont à la lutte avec Schalke actuellement, mais Schalke qui a gagné son match aujourd'hui, Tech. Oui. Donc, du côté d'Origen, il va falloir l'emporter. Si on ne veut pas être distancé, il va falloir rattraper l'écurie allemande. Par contre, on a créé de la distance d'une certaine manière avec Rogue, avec cette défaite des Rogue. Il peut créer quand même aussi au moins une place différentielle pour les Origen, à eux maintenant d'aller prouver qu'ils sont capables de monter tout en haut des places du classement en battant des Vitality qui, tu l'as dit, sont actuellement largement prenables pour Origen. Ouais, Vitality qui tente pas mal de choses en draft. Hier, on a vu Kiana plus Echo. On a essayé de jouer beaucoup d'assassins côté Vitality, d'écarter le jeu, de jouer du split, du 1-3-1. Ça n'a pas rencontré le succès escompté face à une équipe, c'était face à Schalke 0-4, qui a été assez solide. Notamment, on a eu le Azir de Abedague qui a fait parler de lui. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va drafter du côté des Vitality? C'est une vraie question, Tech. Face à cette équipe de vétérans qui est Origen, il va falloir être très remonté, très, très bon du côté des Vitality pour battre Origen. Le seul pick qu'on est sûr de ne pas voir, c'est la Yumi finalement. Oui, et qui est pour notre plus grand plaisir. C'est vrai que tu es un gros fan de Yumi. Ouais. On l'a vécu ce matin en LCK et... Ah, le MVP sur Yumi. Ah, il trop dur, c'est trop dur à voir. Le mec qui est accroché à ses coéquipiers et qui lâche un ulti en ligne droite et qui est MVP, ça me brise en deux. Il faut le dire. Kiana ban directement par les Origen. Et la Lux également. Ouais, pas de Lux, donc on va limiter au maximum l'impact de la duolane. Attila, Jack Troll. Et du côté de ses Vitality, c'est surtout des Sohainer Playmaker qu'on va retirer. Donc pas de speed push apporté par la Irelia. On va limiter le Yasuo aussi pour casser ce combo Gragas-Yasuo qui revient de plus en plus en forme. Et le Azir par contre qui sera retiré, Azir de Jizuke qui reste un sacré personnage à affronter. Au moins scaling, dernier ban du côté de ses Vitality, ce sera la Karma. C'est classique maintenant en red side, le ban Karma. Tellement facile de la first pick honnêtement. Oui. Et c'est un first pick Sylas du côté des Origen pour Cold vraisemblablement, même si le champion peut tout de même être joué en lane. Ouais, c'est un peu plus rare maintenant quand même les Sylas laner. Et, c'est marrant d'ailleurs Sylas qui au tout début du 9.13 était complètement boudé. Plus personne ne le draftait d'une manière ou d'une autre. Et puis la jungle. Et puis d'un coup effectivement il arrive en jungle et, ouais. Et les gens se sont dit mais en fait c'est bon, on peut toujours le first pick. Donc Jarvan pour les Vitality, bon j'espère que Mowgli touchera ses combos cette fois. Ah, il y a un pick qu'ils aiment bien jouer les Vitality qui est disponible, j'ai nommé Jace. Ah, Jace, après c'est un Jace qui connaît pas encore son match-up, mais malgré tout c'est quand même assez facile de pick Jace en blind, il n'y a pas tant de choses qui peuvent aller vraiment le déranger. Surtout si d'ailleurs tu peux aller facilement ban par exemple de la Camille, histoire de vraiment le protéger au maximum. Et donc puis, tous les pick bots de dispo aussi, est-ce qu'ils ont des envies bot lane Draven? Ouais, Draven, ok, en blind du côté des Vitality. C'est vrai que le pick est quand même souvent ban contre eux.
Attila était un gros joueur de Draven à une époque. C'est vrai que depuis quelques temps, il a un peu moins l'occasion de le jouer. Attends de voir ce que ça peut donner. Je pense qu'on va avoir envie d'aller chercher le Time Kench du côté de Vitality. À moins que les Origen ne le prennent avec un Ezreal Time Kench. On la connaît cette composition. Peut-être la duolane la plus safe disponible actuellement. Ouais. Ouais, puis pour une équipe comme Origen qui aime avoir le contrôle des déplacements sur la carte, qui aime particulièrement jouer macro, le pick Time Kench prend tout son sens. C'est vrai qu'en termes de gestion de side lane, ça peut faire les affaires, surtout qu'on s'est vraiment réservé les deux soliners pour la fin. Et pour les vieilles. Ouh ! Ah ouais ! Fiddlestick qui est lock côté Vitality pour Jack Troll normalement au poste de support. Ok, le Fiddlestick du coup. Jack Troll, alors Jack Troll sur Fiddle. Si la game se passe bien, ça se passe bien. Mais ça peut être 10 morts aussi. Ah, ça évidemment, ça va être un petit peu le. C'est aussi un petit peu la qualité Vitality, j'ai envie de dire. Vraiment leur spécificité. Des games qui peuvent totalement partir en vrille. Et ban de la Nico. On va retirer justement ces fameux speed pushers qui dérangent. Ça m'étonnerait pas de voir un ban Camille ou Jace, hein, de la part de Vitality. Ouais, et quel autre champion pourrait être blind pick du côté des Origen? On pense à la top lane. Il y a Aatrox toujours évidemment qui a un petit peu ce pick par défaut. Ouais, on a. Bon, Alfari aime particulièrement Kennen, j'allais dire, mais du coup, ce sont les Origen qui bannent le Kennen, s'attendant peut-être à un pick d'introduction. Vitality sur ce champion. On peut comprendre, t'as pas forcément envie de prendre un Kennen plus Fiddlestick, évidemment le combo est très très fort avec un Jarvan en plus qui peut vraiment enfermer tout le monde dans l'ultimate des deux mages. Dernier ban du côté des Vitality. Alors encore une fois. Oh, le Z de Nuke Duck qui est ban. Qu'est-ce qu'il compte prendre, Jizuke? Il va prendre. Et Origen. Qui voudrait pick un champion comme Talia par exemple. Talia qui est appréciée en blind pick en LCK, moins en LEC. On sait qu'il a une excellente Talia. Jizuke, en faisant un peu le résumé des champions qui pourraient éventuellement sortir. Il y a Zoé aussi. Et c'est Levi Origen qui banne le Jace. Je suis assez étonné, je pensais vraiment qu'ils avaient envie de prendre un speed pusher en top lane. Ouais, mais le joueur de Jace c'est plutôt Cabochard. Ouais, Alfari c'est vrai. Et on pique le Corki en blind. Ouais, Corki, safe. Il a vraiment pris cette position de midlaner blind pick, Corki, petit à petit. Il n'y a pas grand monde qui va vraiment déranger un Corki, pour être tout à fait honnête, sur la midlane. C'est rare, les matchups très dérangeants. Et ce Ryze, alors un Ryze aussi qu'on voit de moins en moins. Ou de plus en plus depuis son nerf. Oui, c'est un peu. Parce qu'en fait, on le voyait plus et on a commencé à en voir à nouveau récemment. Et en voilà un à nouveau. Alors, le nouveau Ryze qui est un wave clear plus démentiel que l'ancien. Par contre, il n'a plus son shield notamment lorsqu'il fait proc ses runes. Il n'a plus qu'un move speed. Ouais, et du coup, ça le rend quand même beaucoup moins tanky. Donc, il y a un build maintenant qui a été adapté et on revient au séculaire sur Ryze. Histoire d'avoir tous ses points de vie et ce mana à ce tour dans la partie. Et le Gnar pour terminer du côté des Origen. Enfin, un beau teamfight hein, quand même du côté Origen. C'est le moins qu'on puisse dire. Et surtout qu'avec ce Sylas, il y a pas mal de teammates intéressants à récupérer. J'attends de voir notamment le Sylas qui va débarquer en croix du Fiddlestick. Avec quoi on pourrait. Alors, de Kaiser contre Gnar, c'est pas si facile que ça, honnêtement, comme match-up. Là, comme ça, je suis pas hyper convaincu, mais. C'est très compliqué pour Cabochard de ne serait-ce que de s'approcher d'Alfari. Ouais, est-ce que c'est un nouveau Mordekaiser drafté dans de mauvaises conditions? Il a pas de grab dans son équipe, puis il a pas de speed-up. Il n'y a rien pour arriver au corps à corps, à part son propre grab. Et surtout, il n'y a pas vraiment de champion Origen que tu as envie de retirer de l'équation rapidement. A la rigueur, si le Gnar évidemment sur un méga Gnar pour l'engage. On verra bien. On verra bien comment ça va pouvoir se jouer du côté de Cabochard. En tout cas, moi j'attends énormément de la bot lane des Vitality.
avec Draven plus Fiddlestick. C'est une botlane qui à la fois propose une grosse capacité à prendre des kills à différents moments de la partie, avec évidemment les contrôles massifs offerts par un Fiddlestick, en tout cas les contrôles en solo, en mono cible, et évidemment les dégâts du Draven. Mais tout ça, ça devra être face à un Tahm'Kench. Tahm'Kench est très très fort justement contre les contrôles mono cible. Dans le meilleur des cas, on arrive à fuir une cible et à mettre le silence du corbeau qui rebondit sur le Tahm'Kench pour empêcher la dévoration. Mais c'est pas forcément si facile que ça à trouver comme situation. Allez, on a validé les drafts. Et on est parti dans ce match avec un mort de Kaiser du côté des Vitality. Et le Draven d'Attila surtout. Moi, c'est le pic qui peut rassurer les fans de Vitality. On sait ce qu'il est capable de faire, Attila, sur ce pic Draven. Mais il est face à un autre spécialiste du champion, Patrick, qui jouera sur Ezreal pour ce match. On va rentrer dans cette game du coup. Regen contre Vitality. Oh, et une fake directement niveau 1 de la part de Vitality avec le Fiddlestick. On abuse un petit peu des rebonds du corbeau. Tellement OP dans ce genre de phase de jeu, le corbeau. Ouais, c'est très très fort. Quand ça rebondit sur deux personnes, tellement de dégâts. Et la réponse au Regen, c'est une petite incursion dans la jungle topside des Vitality. Sans même mettre de wards, c'est ça qui se trouve assez étonnant. Alors, quel choix pour les stars des junglers, Mowgli. On va avoir un pool de la part de Cabo. Et Cold, à mon avis, qui veut surtout aller poser une ward. On notera les sweepers, un sweeper pour Mowgli et le sweeper pour Mitty qui repère cette ward. Allez, vu cette ward, il est important ce sweeping. Permettre de laisser un petit peu les Tiaki dans le doute. Oh, et donc Mowgli qui commence bot side. On commence au bleu pour chacun des deux junglers. Le qui prend le trade là. Ouh, et directement, hein, le E qui se disperse. Et Alfari. Alors, comment ça va se passer pour Cabochard avec ce pic mort de Kaiser? Sur le papier, je pense que c'est pas évident. Maintenant, un désavantage de Mordekaiser, c'est peut-être qu'il wave tire un peu mieux en début de partie. Peut-être. Sans être non plus convaincu à 100% Mowgli. Pour une route de jungle très agressive. On va directement chercher les buffs. On ne prend pas les gros camps d'XP. Et derrière, on va chercher à mettre un gank. Mais alors, un gank où pour Mowgli? Il a pas beaucoup. Il cherche l'invade directement, mais regardez, Cold est déjà ailleurs. Et Mowgli qui tombera sur un Gromp. Bon, alors, on va peut-être aller le chercher dans tous les cas. Hein. C'est mieux que rien, même si c'est vraiment pas le camp qui fait le plus envie. Et Cold, de son côté, a pris tout ce qui avait vraiment de la valeur. Le Gromp n'en ayant pas énormément. Les camps qui ont beaucoup de valeur en termes de farming et de gold, évidemment, c'est surtout les Corbin et les Krug. Ouais, et Mowgli qui doit traverser dans l'autre sens la jungle. Il perd beaucoup beaucoup de temps là, Mowgli, quand même. Bah, on est à 3 camps de jungle pour l'instant, là où on en entame un quatrième du côté de Cold. Et même un cinquième, et on a surtout pris les plus juteux. Alors que Mowgli est seulement là sur ses Raptors, et s'il veut prendre les Krugs après, ça va vraiment l'excentrer. Il pourrait venir couvrir ce mort de Kaiser, mais est-ce qu'il en a vraiment envie? Il n'y a pas tant de choses que ça à faire, je pense, sur le top side. Il va jouer le crabe, Mowgli. Ouais, un Carapator récupéré. Ah, et là, on a une information sur la ward. On sait où se trouve Cold du côté des Vitality. Bon, la pression de lane bot, il n'y a pas vraiment de question à se poser, Tech. Hein. Elle va être en faveur d'Attila et de Jack Troll. Très clairement, il n'y a aucune situation de trade favorable pour les Origins actuellement. Peut-être quand le Ezreal aura une brillance, on pourra mettre au moins un peu de poke. Mais avant ça, c'est très très compliqué de mettre en danger un Draven. Surtout avec le Fiddlestick juste à côté. Il fait quand même beaucoup de dégâts Fiddlestick dans les premiers niveaux. Surtout si tu arrives à mettre les rebonds du corbeau, évidemment. Un Cole qui joue avec la vision du brouillard de guerre. Peut-être être repéré là. Non, il n'a pas été pingé, donc j'imagine qu'il est passé juste aux limites.
Ouh, attention, le timing de la part de Mowgli, ça touchera pas ce combo malheureusement, mais Nutek prend quand même pas mal de dégâts. Oh oui, mais là il a une bonne phase de jeu, peut-être que, attention, ceci dit, un Mowgli niveau 4, ça va pas être si évident que ça, et avec le soutien de Jizuke derrière, il aurait même pu confiner au suicide pour le jungler d'origine. Ah, il a bien fait de jouer de manière un peu préventive, Cold. L'agression sur Jizuke, alors il y a juste à fait cette mana pour Valkyrie du côté de Jizuke. Ouais, mais là ça veut dire le reset hein, pour Jizuke. Et Nukeduck qui va pouvoir profiter de la situation. Alors qu'est-ce qu'il fait Nukeduck? On freeze, j'ai l'impression qu'il ramène la wave sous la tour, donc pas vraiment de freeze pour l'instant. Il y a beaucoup de sbires. On va stacker de l'arme de la DS hein, du côté d'Origène avec Ryze, avec Ezreal. Et donc je me demande, est-ce que Nukeduck va faire le séculaire comme ce dont je parlais, ou est-ce qu'il va faire un autre choix? Mais bon, normalement, enfin, le problème de Ryze maintenant, c'est vraiment qu'il est très squishy, donc le séculaire qui est vraiment bien pour compenser. Bah, la grosse force de Ryze à une époque, évidemment, c'était cette capacité à avoir des shields réguliers, ce qui le rendait très difficile à gérer en duel, et ce qui peut lui permettre aussi de survivre à des phases régulières de DPS en teamfight. Là, c'est plus le cas, donc il va falloir sustain un maximum. Ça m'étonnerait pas de voir des Ryze de pistolet, honnêtement, proc comme à une époque. Histoire de compenser un peu ce manque de sustain. Allez, le retour d'Alphila en lane avec la BT. Avec la BF, pardon. BT sera pour plus tard. Et le clear de Nukeduck. Mais bon, on va pouvoir récupérer toute la vague du côté de ce Corki de Jizuke. Jizuke qui fait un ex-drinker. Il est dans un match-up face à Sylas plus Ryze. Ouais, ça peut se comprendre. C'est sûr. Après, c'est très défensif hein, comme choix. Il aurait pu. Parce que, bon, contre Ryze, il n'est pas non plus obligé de prendre tant de trades que ça. Ou alors, peut-être que je me trompe. Hein. Je suis pas vraiment un spécialiste de la refonte du Ryze. Et pour l'instant, c'est un bon Cold Dragon qui est en train d'être réalisé côté Vitality. Et un dragon contre un Carapateur, évidemment, avantage dragon. Et Vitality en plus qui bénéficie d'un très très bon dragon à récupérer tôt dans la partie. Dragon des montagnes qui rajoute des dégâts bruts sur les objectifs et du coup qui va permettre d'ignorer une partie de l'armure supplémentaire donnée par les plaques. Et au rythme auquel la top lane se passe, et bien c'est Alfari qui pourrait en bénéficier énormément. Qui aurait pu en bénéficier énormément. Vitality qui a envie sans doute d'accélérer au niveau de la botlane avec ce Draven, mais pas facile de prendre des kills face à un Tahm Kench plus Ezreal. Et le problème c'est que je sais pas si Jizuke pourrait être très disponible, Ryze ayant vraiment une très grosse force de wave clear. C'était déjà le cas avant, c'est encore plus le cas avec, dans la nouvelle version. Et en plus on va avoir beaucoup de mal à intervenir sur le possède de cartes de manière générale du côté des Origins. Avec toute cette couverture de vision donnée par les Vitality. Je pense que Cold ne va pas tarder à passer sur une ward. Encore une fois, ce sera une information importante à récupérer. Mowgli qui a son niveau 6, qui n'a même pas eu besoin de prendre son red buff pour le récupérer. Oh, le grab sur Alfari. Oh, heureusement que ce sera dodge par ce jump. Il y avait Mowgli juste derrière. Kebosha qui s'en tire pas mal quand même en lane. C'est vrai, je m'attendais à ce qu'ils prennent vraiment beaucoup plus de retard. Je pensais qu'il aurait un peu plus de retard aussi maintenant. Bon, pas dire qu'Alfari part sur un build très offensif. Hein. C'est tranquille avec un abatteur, il est quand même très serein. C'est-à-dire que je pense pas que le Mordekaiser puisse lui faire grand chose en 1v1, mais peut-être. On aura vraiment qu'Alfari fasse une grosse erreur et prenne une griffe. Ouais, peut-être qu'on aura des surprises. Mowgli qui cherche peut-être une ouverture autour de la mid lane. Il aimerait bien abuser de les cataclysmes contre un champion comme Ryze qui sans son flash n'a pas de moyen de sortir du cataclysme justement. Après on pourrait trop bien aussi aller sur la bot lane pour être tout à fait honnête. Alors certes c'est quand même un Tahm Kench, ça va pas être évident. Mais si ça va pas être évident, mais on a envie de faire proc le passif de ce Draven. Exactement, on aimerait bien, je pense, permettre à Attila de,
monter un peu, au moins deny les joueurs Origen. Ah, peut-être sur Mitty. En tout cas, on a une bonne séquence là. Et attention à ce package pour le Corki. C'est un moment où fight peut être extrêmement dangereux pour les Origen. On notera deux plaques tout de même en faveur de Vitality. Deux plaques juste avec la présence du jungler. Et Cold, alors un peu de réussite quand même de la part de Cold, s'il va éviter les spores de la plante, donc il ne sera pas révélé. Ça peut peut-être mener à une agression Vitality un peu précipitée. Précipitation qui n'aura pas lieu en tout cas, pas si on compte le fait qu'il y ait une pause. Et ça démarre pas trop mal pour Vitality, hein. Ils ont le contrôle de la botlane. Mid, Jizuke a l'air de très bien gérer ce 1v1 contre le Ryze et top, ça se passe bien également pour Cabochard. Donc maintenant, reste plus qu'à trouver le point de bascule du côté des Vitality. Comment on peut faire pour prendre un réel avantage dans ce match? Encore une fois, on tourne nos yeux vers Draven, c'est là où il y a le plus de goal potentiel à prendre côté Vitality. Je pense qu'effectivement c'est le levier principal du snowball des Vitality s'ils veulent aller chercher un snowball. L'autre option évidemment ce serait de permettre à ce Corki de prendre un peu d'avance. Parce qu'on sait à quel point ça peut être puissant un Corki qui convertit rapidement en une trinité. Mais cette trinité arrivera un peu plus tard puisqu'il a dû dépenser 1300 gold dans l'ex-drinker. Il y a quelques petits problèmes de souris chez Jizuke. A priori. Problème de son aussi là. Ouais. Ouais, il y a des. Il y a du son un peu haché derrière. Je crois que c'est les casteurs anglais. Oh, ça doit être l'ambiance de la salle qui est perçue de temps en temps. Ouais, je pense que c'est les casteurs anglais qu'on entend. Jizuke, ça part bien ce match pour lui avec son Corki. Pour l'instant. Parce qu'il a rien à signaler. Il a réussi en fait à bénéficier d'un gank sans perdre de summoner derrière malgré la présence du jungler adverse. D'avoir un bac qui certes lui coûte en termes de mana, mais en fait finalement comme il avait réussi à bien push derrière, il n'a pas vraiment perdu de vague de sbire. Et finalement face à ce Ryze, il est dans une situation assez tranquille. L'avantage de Gorky en plus c'est que c'est très compliqué pour Ryze d'aller trouver un engage nature sur lui avant de trouver vraiment de commit sur un gros flash cage. Il faut qu'il y ait un follow-up de Cold instantané derrière. Et toujours le travail de Mowgli, il a bien envie d'aller mettre la pression sur cette botlane. Sauf que Mitty s'est fait un petit peu poke là. Ouais, Mowgli bien en place, mais les Origen n'ont pas l'intention d'aller fetch check ce buisson a priori. Et attention Mowgli, ne pas se montrer cold, d'accord, qu'importe, on ne sait pas exactement où est le Jarvan, mais on lance ce call Herald. La situation de la wave top doit être suffisamment favorable, j'imagine, pour Cold. Ouais, il a Meganar pas très loin, donc je pense qu'on a pris le push, effectivement, du côté des Origen. Par contre, c'est pas vraiment le cas sur la mid lane. Ah, la mid lane est très disputée, hein, au niveau du wave clear entre les deux champions. Et Mowgli qui va pouvoir scouter avec son étendard. Ah, la plante. Quand même. Oh, il est en train de réaliser ce qui se passe. Mais à 2500 points de vie, c'est trop pour Cold. Et du coup, il faut amener le Hera le plus loin possible pour permettre le reset. Et l'intervention de la part de Mitty par contre qui pourrait chasser potentiellement Mowgli. Mowgli qui est, on se retrouve enfermé entre 4 joueurs Origen. Oh, Mowgli qui pull. Qu'est-ce de faire Mowgli? Avec Attila et Jack Troll, ceci dit, les Origen pourraient bien être forcés à regarder. Et ouais, finalement le décalage de Mitty ne sera pas suffisant pour protéger ce héros de la faille récupéré par les Vitality. Eux qui avaient déjà récupéré un dragon des montagnes précédemment. Ça fait potentiellement beaucoup de tours à récupérer. Et en plus on a un petit peu de temps avant d'utiliser, on n'est pas tout à fait aux 14 minutes de jeu. Ça peut laisser le temps à Mowgli d'aller farmer sa jungle, retourner botside et de mettre ce héros de la faille au niveau de cette tour qui n'a plus que 3 plaques à prendre. Même si, vu le swap qui est en train d'être fait par les Vitality, ça m'étonnerait qu'on aille jouer autre part en fait que d'aller sur la lane du Draven, bien évidemment. Ah, par contre, c'est vrai que... Oh là, ouais, très bien mid lane. D'accord. On veut donner des plaques à ce Draven. Alfari là, oh, qui enferme Cabochard sous la tour. Enfin, enfermé, c'est peut-être un grand mot, mais Cabo qui utilise son ulti directement. Il est face à sa petite Gnar, le flash out du côté d'Alfari. Flash out également pour Cabo et le TP
On vient cueillir Cabochar, Cabo qui n'a plus d'options. Il aurait pu essayer de TP peut-être. Bon, mais ça ne se passera pas. Et First Blood pour Patrick et pour les Origènes. Ouais, décidément, ce match-up top lane qui ne semble pas vraiment réalisable pour Cabochar. Il aura tenté malgré tout, mais il a pris un ultimate sous tour de la part d'Alfari. Ouais, il va partir proto-belt, Cabo, histoire d'avoir un moyen de gap close. Ça va lui manquer. Un peu de pression de la part de Jack Troll sous tour, mais rien de bien méchant. C'est un time catch, on va régène tranquillement. Finalement, ce héros de la faille sur la mid lane qui n'aura pas fait tant de dégâts que ça. Simplement deux plaques, c'est-à-dire le minimum syndical. Mais un nouveau dragon pour les Vitality. Alors, revoyons cette action, Alfari. Ouais, Alfari qui en plus de ça wave clear les creeps. Elle a bien joué le coup, hein, le top laner d'origine. Je me demande s'il aurait pas pu TP Cabo, ça aurait été beau quand même. Il aurait eu le temps en tout cas. Il aurait eu le temps, hein. Techniquement. Il aurait eu le temps, mais il était pas certain qu'Alfari ne veuille pas aller fêcher ce buisson. Ouais, compréhensible. Oui. Compréhensible. Mais c'est vrai que quand tu regardes l'action après, tu te dis ah, il avait le temps de faire une petite Soaz là. Exactement, ce que j'allais dire, Soaz l'aurait fait. Ça aurait été, t'imagines Patrick qui arrive et genre il débarque dans le buisson, il n'y a plus rien. C'est un vrai de rire. Ils auraient été dégoûtés, je pense. Ça aurait c'est été un, beau. Un first blood pour le Ezreal. Bien évidemment, c'est un petit boost quand même d'argent pour un Ezreal qui a besoin d'aller chercher ses items assez tôt pour contrer l'accumulation potentielle de gold sur Attila. On sent toujours de voir évidemment quand est-ce qu'on va réussir à proc le passif du Draven. Le proc en tant que kill sur le Jack Troll ou pourquoi pas le proc à l'inverse en lui faisant perdre ses stacks. D'ailleurs c'est un Draven très offensif, hein. C'est le premier item. Au lieu de faire le Draven plus safe, plus habituel de la BT très tôt. C'est vrai que d'habitude c'est BT, premier objet. Et UE j'aime bien, hein. Claquer des gros critiques d'entrée de jeu, c'est assez marrant. Tu mets un critique à 600 points de dégâts alors que t'es à peine niveau 8. J'ai toujours rêvé. Pas encore 600, il est à 430. Déjà pas mal. Et quel choix de la part de Patrick, je pense qu'il va partir sur Grand Tigrant quand même. Contre le Corki, contre le Jarvan et le Draven. Ça me semblerait logique. En plus que Grand Tigrant qui limiterait encore plus les espoirs de Cabochar de faire quelque chose en teamfight. Et voilà, on se retrouve maintenant avec 900 gold d'avance sur la top lane pour Alfari. Et un Cabochard qui va avoir beaucoup de mal à faire parler son pick Mordekaiser. Ça va pas être facile, hein. Mordekaiser, j'ai l'impression que enfin, ça ressemble pas mal à un piège. Hein. En Europe, dès qu'on en voit, on n'est pas du tout convaincu. Après, nul doute que le champion est puissant dans les bonnes conditions, mais j'ai l'impression qu'on les voit pas tant que ça, les bonnes conditions. Alors même si, sur ce match, il n'est pas si derrière que ça. Et encore une fois, Vitality a quand même de grosses balles à distribuer juste à côté avec ce pick Draven. Toujours pas de blue buff pour Mowgli. C'est pas grave, on va pouvoir récupérer cette tour au niveau de la mid lane, peut-être même faire la rotation top lane, pourquoi pas. Ça force en tout cas Alfari à reculer le décalage de Vitality sur la top lane. Finalement ils n'iront pas. Et ça fait gagner un petit peu de temps. Et la proto belt en poche de Cabochard qui pourrait peut-être lui permettre de faire la différence au moins dans les duels. En teamfight, je pense vraiment qu'il aura beaucoup beaucoup de mal à réellement performer. Ah, pas de... Manque de réussite de la part de Patrick. Il a pas réussi à cancel les bacs avec le barrage térébrant. Et ça va bouger là sur ce bot side avec les Vitality à la base. Jizuke n'a pas de soutien. Et il est bien inspiré de reculer, le millénaire italien. En quoi ça pouvait être le dive hein, réalisé par les Origènes. Et ah bah ils vont revenir. Mais attention parce qu'on peut avoir une G-Fiddle derrière. Ouais, ça peut être très dangereux. Je suis pas certain que les Origènes ont vraiment envie de s'empaler là-dedans. Même s'ils auraient apprécié, je pense, forcer la tour. Mettre des dégâts supplémentaires dessus, voire même la récupérer. Jizuke qui se positionne bien et Vitality pour le moment, eh bien écoute, qui propose une très très belle performance.
face à The Origin qui garde le long tête. Oh, attention, c'est dangereux ça. Jizuke, le seul qui a passé directement. Le bon gant clair de Colda. Très 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 bonne chaîne de sa part. Mais Jizuke suffisamment résistant avec le bouclier de l'arbre sorcellerie qui lui permet d'encaisser un peu de dégâts. Oh, quel ulti de la part d'Attila et Patrick semble condamner Jack Troll qui tente de fermer la porte mais qui doit stopwatch directement. En danger Jack Troll, mais ça lui permet de temporiser suffisamment et maintenant les Vitality sont en nombre supérieur. L'ulti côté Jack Troll qui force un flash de Mitty et Mitty avec le coup de langue qui semble pouvoir s'en tirer. Oh là là, le combo qui ne touchera pas pour Mowgli et Mitty survit. Mais de l'autre côté de la carte, les Origins sont au boulot. Alpha qui va essayer de faire différence au moins sur la mid lane pour compenser le fait d'avoir débloqué le compteur de gold sur le Le dive. Et cette fois-ci, Mitty qui est resté, qui va totalement se faire contourner. La stopwatch. Et encercler. C'est Draven. Oh, c'est Jizuke. Et pourtant, tout le monde semblait avoir ouvert grand les portes au kill d'Attila. Je sais pas s'il avait encore beaucoup de. Oh, le barrage qui le prend. Oh mon dieu, et c'est pas fini parce que là, on a l'arrivée de Patrick. Patrick qui touche avec l'arrivée de Nukeduck également, 2 TP pour prendre des kills du côté d'Origène. Mowgli s'y retourne, il va y avoir du mort du côté de l'équipe française. L'ulti du Rise directement, le portail transdimensionnel et le flash-in finalement de Nukeduck. Un double kill pour Alfari et Mowgli qui va tomber également sur un dernier Mystic Shot. 5 kills à 3 pour Origène qui revient au gold, mais Vitality reste devant Tech. Très très belle réponse de la part des Origins sur cette bot lane. L'agression a été jusqu'au bout finalement. Et encore une fois, on se retrouve dans une situation où un top laner va essayer de compenser ailleurs sur la carte en récupérant cette tour sur la top lane. On va revoir cette action, elle a commencé très loin. On le rappelle encore une fois, c'était une tentative première d'Origins pour dive sur Jizuke. Finalement, Patrick qui tombera sous le flash in, combo du Jarvan. Attila qui débloque son compteur de gold en prenant le kill sur Gold. Et ensuite le chase. Ils vont peut-être un peu trop loin quand même les Vitality, honnêtement. Je suis pas certain que le dive sur le Tamken soit vraiment nécessaire. Ouais, parce que surtout qu'on le sait, hein, ça c'est le genre de choses niveau macro, quand tu restes aussi longtemps sous l'unité de adverse, tu t'exposes forcément à des réponses adverses. Qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à mettre sa TP? Bah, il s'est dit qu'il pourrait survivre là. On a dû avoir peur parce que là il y a eu des pings quand même, donc. Dur. Mais ouais, les Vitality, comme tu l'as dit, en fait, il fallait pas jouer cette séquence pour aller chercher le Tamken. Ils auraient dû se contenter de ce qu'ils avaient, qui était déjà bien. C'était très bien, oui. C'était très bien, on avait réussi à récupérer l'argent du Draven. Et je pense que c'est honnêtement tout ce dont les Vitality avaient besoin. On est quand même sur un Draven 2 items, avec BT plus IE. Bon. Et c'est censé faire la loi quand même, Draven, avec ces items-là. Même si, d'un autre côté, Patrick a récupéré 3 kills maintenant et 2 assistances. Pas certain qu'il soit si en retard que ça avec la cléptomancie qui tourne. Non, il est très bien, Patrick, dans son match maintenant. C'est vrai que les kills sur ce bot side ont été très précieux pour les Origins. Mais l'avantage au gold est toujours en faveur de Vitality. À peu près 1500 gold de plus pour l'écurie française. Et les Origins, alors qui renvoie Alfari topside, on va lui laisser la charge de prendre la T1. A priori, Jack Troll qui essaie de se faire oublier, de se glisser dans les trous de vision pour mettre des ultis. Il a été repéré cette fois. Et les Origins qui vont se méfier. Un des gros avantages de Fiddle, c'est que dès que tu as un peu d'ombre sur la carte, l'équipe qui joue en face a très peur des face check et ça peut créer des situations très favorables aux Vitality. Pour prendre par surprise les Origins, pour renforcer leur vision, peut-être pour faire des call Nashor aussi, ce genre de choses, si on est suffisamment bien. C'est vrai que le Fiddlestick, c'est vraiment un champion qui te force à respecter énormément le moindre angle mort en termes de vision. Et on peut toujours se prendre un sacré wombo. Surtout sur un timing du package de Jizuke. Là, du côté Origins, on n'a pas d'autre choix que de jouer défensif, je pense. Package qui sera quand même utilisé. Mais ce carapateur topside pour aller défendre un éventuel Nashor à venir. Et les ressources Origin qui se mettent en place plutôt sur le topside de carte. On veut absolument récupérer la vision. Vision qui pour le moment est à l'avantage massif des Vitality sur la rivière topside. Mais il y a de la vision Origin dans le pit. Il y a cette ward debout. C'est dommage qu'elle soit là, hein, parce que pour le coup, Vitality, s'ils avaient juste cette pink. Allez, ça y est. Ils voient la vision.
Et là, il réalise. Les Origins savent, mais les Vitality ont l'air de vouloir. Mowgli qui se fait quand même bien chunk. Hein. S'il engage, là, il est mort. Ouais, Mowgli peut plus aller maintenant. On a perdu un peu trop du côté Vitality. Oh, et la rotation de la part de Mitty. Petite rotation. C'était juste pour récupérer du farm du niveau de la mid lane. Finalement, la situation qui est plutôt à l'avantage des Origins. En tout cas, on a repris le contrôle du terrain. Au niveau de Sonasher, on va pouvoir récupérer les pinks, assurer de la vision, cacher des wards et permettre à Alfari pendant ce temps de récupérer cette tourelle. La seconde d'ailleurs qu'Alfari récupère quasiment en solo. Ouais, ils sont quasiment revenus les Origins. Donc là, côté Vitality, il va falloir être très affûté pour les prises de décision à venir. Est-ce qu'on arrive à se créer une bonne situation autour de ce baron, puisqu'a priori c'est ce qu'on cherche à faire du côté des Vitality? Est-ce qu'on peut avoir également des wards deep qui permettent un TP de Cabochard? Parce que si le mort de Kaiser arrive directement dans le dos de ses adversaires, peut mettre un bon ulti, c'est pas la même histoire. Tech, attention, là on lance rapidement un col baron, les Origins sont légèrement en retard, ça pourrait le faire. Et oui, ça va très vite du côté des Vitality. C'est récupéré, attention peut-être au flanc de Jack Troll, il trouve le fear et là on peut avoir des kills en faveur des Vitality. Cold va tomber et le Baron Nashor est en faveur de la structure française. Ah, ils ont été vite, ils ont été efficaces, les Vitality, très bon travail de leur part. Et pour Origins, maintenant, on va encore être obligé de jouer sur une phase ultra défensive, alors que pourtant, on avait pas mal d'objets intéressants, notamment cette top swap de Cold qui aurait pu faire la différence en teamfight. Ouais, là, les Origins qui vont... Au moment du retour sur la carte des Vitality, ils vont devoir essayer d'avoir un plan. Est-ce qu'on tente de mettre un gank sur une side lane avec le Tahmkench? Est-ce qu'on trappe pour essayer de casser la dynamique du baron des Vitality? Est-ce que les Vitality vont réussir à pousser sereinement jusqu'au T2? Le problème, c'est qu'on est bientôt au troisième item de Attila. Bientôt aussi au troisième item de Jizuke. Autant vous dire que les Vitality sont plutôt bien dans la partie. Même si heureusement il y a la BOTRK, plus 3 items aussi du côté de Nuke Duck. Les deux carrés Origins sont peut-être les deux carrés les plus dangereux actuellement. Et le reste de la compo. Oh, Mowgli qui reste peut-être un peu trop, hein. Il prend d'énormes dégâts. Le flash out de Mowgli. Pas si ça valait le coup pour cette ward honnêtement. Ah, ça lui fait perdre du temps, ça l'oblige à. Prendre un reset, Mowgli. Et un Jarvan sans flash. Ça veut dire aussi pas de combo flashé. Pas de gap close sur le cataclysme non plus. Même si les Origins sont quand même sous pression. A cause de Sonasher, ils peuvent pas vraiment se permettre d'aller prendre le dragon tout de suite. Le grimpe peut-être sur Alphari, donc rien de bien méchant. Invité avec un petit saut. À Vitality, faut trouver une formation pour réussir à push. Un Mowgli de retour. Il faut emporter des T2 sur ce baron. Il faut réussir à capitaliser. 3000 gold d'avance, c'est bien. Mais il y a moyen d'avoir beaucoup plus là. Et Jack Troll en position. Voilà, mettre un ulti sur Mowgli. Mowgli de nouveau, hein, qui prend tous les skill shots. Jack Troll qui attend son Alphari. Ultimate très défensif d'Alphari. Là, ils l'ont vu, Jack Troll. Oh, et Patrick. Parce que ça peut aller très vite, hein, avec le Ezreal. Oui. Ah, il y a du burst sur le Ezreal, c'est 3 items comme ça. Il va falloir se méfier. Et en plus, un Philosophy qui commence à prendre un ou deux hits de côté givrant. Oh là là, le barrage térébrant qui chasse les Vitality, mais c'est tout de même une T2 sur le top side. Ça manque quand même un petit peu de wave clear malheureusement du côté des Origins. C'est sûr, mais après Vitality, s'ils avaient un peu mieux coordonné leur wave, ils auraient peut-être pu. Prendre la T1 aussi, la T2 mid lane. Bah ouais, je pense, et là qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, Jizuke, se retourne, il a du burst, Jizuke. Il est là, il est au contact, il va réclamer un kill dans ce 1v2. Il tombera quand même, mais bon, sachant qu'il emporte quelqu'un, on peut lui pardonner. Ça va, on va dire que c'est moins pire du côté des Vitality, mais c'est quand même un porteur de Nashor qui disparaît. Après, le Nashor était terminé. Ouais, ça se termine là, ça va. C'est pas si pire. Est-ce qu'il a lié au moins grâce à ce kill Jizuke? J'ai pas l'impression. Pas encore, a priori. Il vante sa prime corruption, je pense que ça lui sert plus à grand chose.
Alors, du coup, parce que là, il voit le Sylas aller à cet endroit, il se dit, vas-y, je vais le déboîter, quoi. Sans ses coéquipiers à côté. Très bizarre de la part de Bouziquet. Ouais, pour le coup, c'était vraiment pas nécessaire. Il est complètement à contre-temps par rapport au reste de son équipe, tu l'as dit. Bah ouais, il y a personne qui le suit, il y a personne à proximité. Et dans voilà, tout ça, sur call, très attention bon quand même, hein, Tech, parce que... Oh, il a un bon ulti, Jack Troll, la MIT qui dévore Call, ce sera pas suffisant. Call va tomber sous le déluge de contrôle des Vitality. Attention, Alphari! Call, l'ulti d'Alphari! Il scotche les Vitality au mur! Et Cabochard qui tente en solitaire de faire la différence. On doit flash out et la poursuite des Origènes se met en place. Doublé pour Alphari. On réclame le triplé pour le top laner britannique. Cabochard qui tente au maximum, le Zonia utilisé et on va tomber. Jizuke de son côté qui envoie en avant le package mais qui va chercher un kill. Attention, on est extrêmement low de part et d'autre. Peut-être un missile qui touche qui pourrait emmener Jizuke vers un nouveau kill. On va s'arrêter là, a priori on a trop peur. Oh, oh, il avait la vision. Oh, je pense qu'elle a fait peur cette Bertha. Malheureusement, Jizuke qui n'a plus beaucoup de munitions. Ça va être compliqué pour lui de se déplacer. Il chasse Jizuke. C'est tellement dangereux et l'ATP finalement ah ben les loups qui vont prendre la grosse sur Jizuke. Et Jizuke qui ne trouvera pas. Mais il avait bien senti le coup, Jizuke. Ah, il a pas osé mettre son package tout de suite. Il aurait peut-être pu le mettre au moment où Cabochard est encore en vie. Faudrait revoir le teamfight pour voir si c'est possible. Quel burst quand même de la part de Attila par contre. Gold a beaucoup beaucoup de mal à juste agir cette partie. Ouais, et ouais, les vitesses. Oh là là, les vitesses qui prennent tellement cher quand même sur ce flanc d'Alphari. Honnêtement, sans l'ultimate d'Alphari, le fight est largement remporté par les Vitality. Ah, c'est sûr. Mais il y a l'ulti d'Alphari. Ouais. Et là, est-ce qu'on pourrait pas mettre un package au moment où il arrive à chug sur Patrick notamment? Maintenant, là. Sur le point à stopwatch en fait. Ce moment-là. Ah, je sais pas. Peut-être pas. Il le met un peu plus tard, il va pas frapper sur Alphari. Il a préféré mettre des dégâts sur Nuke Duck. Bon flash de Nuke Duck. Là il juke, oh là attention, dans le portail transdimensionnel, Mitty en pointe, on tente d'engager peut-être ses Vitality, on décide d'aller sur Cabochard du côté d'Origène, et le dunk de la part de Mowgli, et regardez, un Mitty est isolé, Mitty est complètement isolé, il est forcé de flash out, Jizuke qui prendra ce kill sur Patrick et les Vitality. Oh, le grab est bon. Excellent quand même. Grab de Cabochard Tech. Et en plus le combo de la part de Mowgli avec le flash pour mettre les contrôles sur ce Ryze. Alphari qui devrait tomber lui aussi sous les couilles de Jizuke. Dernière roquette. Et le shutdown, on peut gagner peut-être ici côté Vitality. Les Origènes en difficulté une nouvelle fois. On souffle le chaud et le froid du côté des Origènes. Et les Vitality qui vont peut-être allez, remporter cette rencontre. Normalement, il n'y a rien qui semble s'y opposer. Je vois 12-13 secondes du côté de Cold. Il ne reste que Mitty qui ne pourra rien faire. C'est les fait. Vitality qui finissent par s'imposer sur un dernier très bon fight. C'était pas simple pour Vitality, mais ils ont su trouver le team fight nécessaire. Et du côté Origen, on doit être un peu déçu de retomber au niveau des Rogues dans le classement. Et ouais, ils n'y arrivent pas les Origen, ils n'arrivent pas à prendre leur envol. Et Vitality, après un match très difficile et très moyen hier contre Schalke, je pense qui se rassure. Ils peuvent remercier Cabochard. Honnêtement, cet ultimate de Gnar, je pense qu'il change complètement la face de la game. On a eu peur quand même du côté Vitality, mais voilà, quelques très bonnes prises de décision. Notamment ouais. La récupération du Nashor. Le évidemment. Baron était vraiment vraiment bien. On n'a pas hésité côté Vitality. On avait bien compris que les Origènes n'avaient plus la vision. Et les Origènes qui s'inclinent donc. Et qui tombent à 5 victoires, 5 défaites. Égalité avec les Rogues du coup. On va malheureusement pas pouvoir rattraper les Schalke. Et ça nous dessine en fait notre top 4 de tête en Europe. Ouais. De Fnatic, Splice et Schalke. Complètement. Et dans ces équipes du top 4, il y en a encore 3 qui doivent jouer. Hein, puisque Fnatic entre en lice juste après
face au SK Gaming. Et en dernier match, on a une très belle rencontre pour le coup. On aura Splice contre G2. Et les Vitality hein, qui vont chercher leur semaine à 1-1 finalement. On se maintient dans une situation où l'accès aux playoffs est loin d'être impossible pour Vitality. C'est le principal. Là, ils vont terminer à... Donc, ils terminent la semaine à 4-6 Vitality. Finalement, comme Rogue. Hein. Ouais. Comme Rogue. Donc, on est là pour les places de playoffs hein, côté Vitality. Et qu'on se rapproche. On gratte des games. Et toutes les équipes à cet endroit du LEC n'arrivent pas à faire complètement la décision. Mythique complètement isolé là, qui a pas pu soutenir ses coéquipiers. Et Cabochard qui rentre dans la mêlée et qui a la possibilité de mettre énormément de dégâts. C'était vraiment la grosse question qu'on avait par rapport à ce Bordeaux Kaiser. Est-ce qu'il était capable de vraiment performer en teamfight? Alors le Ryze qui, on n'en voit pas tant que ça, mais là... Il n'a pas vraiment réussi effectivement à exploser. Il n'a pas vraiment split. Je pense qu'il n'a pas eu le temps d'avoir ses items aussi. Enfin, il vraiment avait 3 items abuser. Quand même. Ben, oui, en fait, il n'a pas eu le temps d'en abuser. Quoi. Il n'a pas eu le temps vraiment de mettre en place des gros teamfights. Avec des Vitality qui, notamment en prenant ce Nashor, je pense, nullifie. Au moment où ils prennent le Nashor, c'est le moment où le Ezreal et le Ryze ont leur proc 3 items. C'est-à-dire que le prochain teamfight pouvait potentiellement être fatal pour les Vitality. Je pense que vraiment, le timing de prise de ce Nashor a empêché finalement des Origen pour forcer des fights. Ce qui a bien évidemment fait les affaires de Vitality. Ouais, non mais... Après, Vitality a fight. Il y a eu des erreurs, notamment bot quand ils sont allés trop loin... Ils se sont fait souvent accrocher, mais voilà, ils ont su faire la différence sur ce teamfight là. Et c'est le principal, il faut prendre les points du côté des Vitality. On aura Jack Troll en interview, c'est maintenant. You picked the first Fiddlestick in Europe, and it's mostly been an LPL pick, and even then it hasn't been that successful. So can you give me some specifics about this reasoning? To be honest, I need to give credits to my cat. He does really similar sounds to the Fiddlesticks, so that's how I came up with an idea about Fiddlesticks. Is it good in this meta, though? I mean, you won with it, obviously. But I mean, I have 100% win rate on it, so yeah, I guess. Mm-hmm. Did you prep anything specific against Origen outside of the draft you had now? I think they're gonna regret of not buying Draven, just like every team in LEC did against Attila. They opened it once, and as you could see, we just won with it. So I expect Draven to be banned for the rest of the split. I have something on that. In the LCK, we see a lot of Kalista. We don't see much Draven here. I want to say that these picks are similar in a way. So why don't we see more of them in EU? I think it's because Kalista is a bit of liability. Mm-hmm. If you don't snowball hard, this pick is not going to be so useful. And you have just much more much safer picks to pick than Kalista, and I don't think it's that high in priority because of that thing. Okay, well, now more about you. You guys have been on and off lately. I hope you guys can pick it up in the second half of the split, but what can we expect from you guys? You can expect many explosive drafts from our side. And what need to improve is our scream, our screams, because our scream work is not so great lately. Okay. And I think that's the biggest reason why we're on and off. All right, well, I wish you good luck on that. Thank you very much for the interview. And we're going to take a break. And coming back, it's going to be SK versus Fnatic. Don't go anywhere, guys. Petit clin d'œil de Jack Troll, donc, qui nous parlait de la différence Draven, Kalista. Ouais. La question que posait Laure à propos des picks Kalista, c'est vrai qu'on en voit pas mal en LCK, mais il disait ouais et tout, mais... Ça pique, a trop besoin de snowball. Ouais, et si t'y arrives pas, c'est compliqué. Bon, après, c'est un peu le même principe que Draven, ceci dit. Mais Draven a peut-être plus de facilité à snowball, dans le sens où si tu prends un kill, bah, la banque. Ça y est, effectivement, la banque est là. Et puis, je pense aussi que Attila est très oui. beaucoup trop fort sur et le Draven. Il le disait, il n'a pas été ban, ce Draven, et ils auraient dû le ban. De son point de vue, ils auraient dû le ban, et il pense que le pick ne sera plus disponible pour Vitality jusqu'à la fin du split. Donc là-dessus, on verra. Et enfin, Jack Troll qui nous disait qu'ils ont quelques problèmes en scrim en ce moment. Mais bon, ils préparent des drafts agressives, explosives, et ils vont tenter d'aller chercher ses places en playoff, tout simplement. On se laisse ici pour quelques minutes. Le match suivant, c'est Fnatic contre SK Gaming.